fondatrice et présidente également de la PEBI, et que vous êtes aujourd'hui, j'allais dire aussi, je vous reçois en tant qu'auteur, oui, avec un E, hein, d'un ouvrage autobiographique. Tout à fait. Intitulé Le chemin des possibles, aux éditions d'ailleurs La Croisée des chemins. On va parler de tout ça, hein, mais je voudrais peut-être démarrer, parce que je dis, en tant que vous, ex-présidente de la PEBI, et ça fait 20 ans que vous êtes dans le domaine du digital, du numérique, de l'informatique, sur les recommandations de la commission spéciale Nouveau modèle de développement en matière de numérique, parce que ce qui est pointé du doigt en rouge, hein, c'est le retard colossal important pris par le Maroc en matière de digital et numérique. Donc, je me dis, voilà, j'ai une spécialiste du sujet, donc qu'est-ce que vous en pensez, quoi, vous ? Pour rectifier, déjà, ça fait 30 ans. 30 ans. J'ai créé mon entreprise en 1987. Première entreprise dans le secteur du logiciel et des services informatiques. Bah, d'abord, je suis ravie qu'au niveau des recommandations de cette commission spéciale, on fasse du digital le pilier principal pour la transformation de toute la société et pour accompagner l'ensemble des secteurs. Donc, je suis contente qu'il y ait une vraie prise de conscience, qui ne m'étonne pas vu la composition, en fait, de cette commission, où beaucoup de personnes avaient déjà donc milité pour le digital. Mais est-ce que vous avez été surprise, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez été surprise, Salomé Belkacem, que le fait qu'en fait, il était pointé du doigt le retard colossal pris? Non, je ne suis pas surprise, je suis ravie, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait les recommandations paper que j'avais présentées moi-même au chef de gouvernement, Letmani, à la fin de mon mandat, donc, c'est-à-dire au début 2020. Et donc, pour insister justement sur le retard qui est pris dans un secteur où le temps est très, très important. Et puis, ils ont également insisté sur les manquements qu'il y a. Donc, où j'ai également, dans le livre, je les avais cités également, donc, qui sont à commencer par le problème de connectivité du haut débit, dont le Maroc n'est pas... Je dirais, malgré les avancées au niveau des réglementations de télécom, l'ensemble du pays n'est pas vraiment connecté à haut débit avec un prix compétitif. Et d'ailleurs, nous l'avons remarqué avec la crise Covid. Mais oui, ça a été le révélateur. Où, malheureusement, complètement, voilà, sur le e-learning et autres. Mais... Donc, on parle également d'un problème de formation, d'un problème de prise de conscience des chefs d'entreprise pour leur compétitivité. Donc, le digital est très important. On parle également de l'environnement des startups qui sont innovants, et nous avons vu justement des innovations lors du Covid, et donc il faut un environnement qui soit plus propice pour ces start-up. Pourquoi on n'a pas avancé, ça veut dire, ce que je me dis. Moi, j'avais cité à plusieurs reprises un problème de gouvernance, parce que nous sommes en fait dans un secteur qui est horizontal, qui touche tout le monde. Mm-hmm. On prend un pays comme le Rwanda, c'est le président du pays lui-même qui préside une commission du digital, et tous les mois, il convoque ses ministres pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans la dématérialisation des services aux citoyens. Et donc, c'est quelque chose qui doit être pris à haut niveau. Et on a fait plusieurs tentatives. D'ailleurs, la commission, elle recommande une commission interministérielle. Honnêtement, ça se discute, parce que cette expérience, on l'a déjà menée. Mais mixte aussi, avec des experts qui participent. On l'avait déjà menée, une commission interministérielle qui a marché à un moment donné, parce qu'il y avait, il y avait justement Sir Ahmed Chami à une époque, et donc ça se réunissait fréquemment. Il y avait quand même un résultat qui était palpable au niveau des projets de dématérialisation dans le service public. Mais puis à un moment donné, avec le changement de gouvernement, tout s'était arrêté. La transition entre le gouvernement Mitterrand et le gouvernement Latmani. Ça a été arrêté. Mais donc là, avec Moulay Hafed Alami, il a lancé une nouvelle stratégie. Oui, stratégie Maroc 2020. Maroc Digital 2020. Bon, d'ailleurs, je le dis aussi dans le livre, je regrette de ne pas avoir vu le bilan. On n'a pas fait l'évaluation de cette stratégie. C'est fou, ça. J'aurais aimé qu'on fasse une évaluation. Et puis là, il y a un autre contrat programme qui est en cours de préparation. Donc, les idées, c'est-à-dire, on sait ce qui ne va pas au niveau du digital. Nous savons ce qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est dur de faire bouger les lignes? Nous savons ce qu'il faut faire. Vous savez, il faut imposer. Il faut à un moment donné imposer. Quand nous avons, imposé par la loi, imposé par partout. Quand la CNSS, par exemple, a imposé de déclarer à distance, tout le monde s'y met. Quand on a imposé, Donc, il faut en même temps imposer, mais en même temps aussi la carotte, utiliser la carotte. C'est-à-dire que quand vous utiliserez un service public, il faut que ça revienne moins cher. Si vous utilisez Internet que si vous utilisez le manuel. Et donc, c'est tout ça. Il faut un pilote à bord de cet avion digital pour justement naviguer en fonction des vents. Parce que ce qui ressort essentiellement, enfin, entre autres, les recommandations et un peu les observations critiques de la commission spéciale Nouveau modèle de développement, c'est l'absence de mutualisation des infrastructures pour mettre en place une circulation de la data,
qui est de plus en plus importante, sécurisée sur l'ensemble du territoire. Et c'est là, prévu dans le plan stratégique de l'ANRT sur 2020-2025. Oui. Il y a déjà eu un premier pas, n'oublions pas, hein, avec Maroc Télécom qui était obligé de payer d'ailleurs une sanction et de démarrer le partage. Mais c'est pas encore, ils n'ont pas encore été plus loin. On peut avoir le partage entre les trois opérateurs, mais on peut avoir aussi le partage des infrastructures des entreprises publiques comme l'ANCF et autres. Complètement. Et donc tout ça, c'est marqué. Mais il y a un encadrement législatif par rapport à ça. Oui, tout ça, c'est un peu aussi le rôle de l'ADD. Le rôle de l'ADD, ouais. N'oublions pas l'agence de développement du digital, c'est aussi justement mettre en place, proposer justement un cadre législatif et faire en sorte qu'elle soit là, parce que l'agence, peu importe le gouvernement, elle existe, elle est indépendante, et donc qu'elle soit là justement pour activer les choses rapidement, pour demander à activer. Donc c'est tout un ensemble, le digital. Donc il y a les infrastructures, la formation, le cadre législatif. Et bien entendu la gouvernance, c'est que vous disiez. Et la gouvernance globale, c'est le plus important. Mais il y a tout un chapitre sur le livre, sur Oui, on va y revenir, sur votre livre, le chemin des possibles, on va y revenir aussi effectivement là-dessus, mais moi je me dis, voilà, il y a une proposition qui a été faite, en tout cas sous forme de recommandation, qui est l'extension de l'ADSL sur l'ensemble du territoire. Oui, le haut débit, oui, il faut parce qu'Internet, il est encore assez cher, on a un taux d'utilisation qui est très faible, à part justement le mobile, et donc il faut que l'ensemble du pays, il faut qu'un élève, avec maintenant l'enseignement à distance, et on ne sait pas, le monde maintenant ne sera jamais comme avant, on ne sait pas ce qui nous attend dans le futur, il faut qu'un élève qui soit Fulgouira, qui soit Tanger, peu importe, il faut qu'il puisse accéder à Internet avec un prix qui est abordable en fonction justement du niveau de vie des Marocains. Mais c'est accéder à Internet ou accéder au haut débit? L'Internet via le haut débit, on est bien d'accord. Quand on a le haut débit, on accède à Internet rapidement et il faut aussi que ce ne soit pas cher, les deux. Voilà, pas cher, ça veut dire quoi? C'est ce que je dis. Le modèle de financement, selon vous? De toute façon, on a un fonds universel qui existe. Et donc, si on ouvre à d'autres opérateurs, et on ouvre d'autres licences, donc on ouvre et qu'on ouvre la concurrence beaucoup, eh ben, il y aura encore plus de fonds et le fonds universel sera plus important et on pourra couvrir les zones, justement, ce qu'on appelle les zones blanches. Les zones blanches, parce qu'on parle effectivement de ce qui était révélé d'ailleurs dans les recommandations de la Commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, c'est l'accroissement de la fracture numérique ces dernières années. Donc, parce que tout le retard pris en matière de numérisation et de digitalisation, c'est l'accroissement de la fracture numérique. Mais mais si on ne réagit pas très très vite, cette fracture, elle va continuer à grandir et ça serait la catastrophe. Que ce soit au niveau citoyen, que ce soit au niveau des entreprises. La fracture, elle existe aussi au niveau des entreprises. Entre les PME, entre les filiales des multinationales, dans les projets de transformation digitale, vient déjà tout fait, etc. Il y aura, je veux dire, après le Covid, là, nous sommes pratiquement à la fin du Covid et tant mieux. J'espère. La concurrence va être de plus en plus rude. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas le seul pays à avoir compris l'intérêt du digital au niveau du Covid. L'ensemble des pays l'ont compris. Donc, ce qui va se passer, c'est une course aux compétences. Et là aussi, on doit faire très attention. Déjà qu'on a perdu beaucoup de compétences dans ce secteur-là. Donc, on doit former beaucoup plus. Et on doit aussi leur assurer un environnement pour pouvoir rester chez nous, dans notre pays. En tout cas, pour vous, pour trouver la recette du bon financement, pour éviter d'avoir une concentration en fait du haut débit dans les zones dynamiques avec une forte densité humaine, c'est faire jouer la concurrence de nouveaux entrants. Exactement. Mais ça peut être simple. Je suis bien placé, je suis également membre du Conseil de la concurrence et je peux vous dire que la concurrence est très très importante dans tous les secteurs et encore plus dans celui-là. Mais dans celui-là, ça va être difficile, non? Secteur des télécoms. Vous savez, il y a toujours de la résistance, mais c'est pas grave. Nous devons avancer tous. Pour l'intérêt général du pays. Exactement. Juste une dernière question, parce qu'on parlait de recommandation de la Commission spéciale Nouveau Modèle de Développement, l'extension de la DSL à l'horizon 2035 sur l'ensemble du territoire. Mais il y en a qui disent, mais ils ont oublié une chose, pourquoi ils ne parlent pas de la fibre optique? C'est-à-dire voilà, que la DSL, ce serait dépassé aujourd'hui, que la fibre optique. Vous savez, tout ça, c'est coûte moins cher aujourd'hui. Des techniques, il y a des experts. Puis n'oubliez pas aussi que dans le plan stratégique de la NRT aussi, il y a de l'assistance de la Banque mondiale avec des experts sur ces domaines-là. Donc ce qui est important, ce n'est pas ça. Parce que le citoyen, il n'a même pas à savoir par où il passe. Le citoyen, il doit pouvoir se connecter à Internet, avoir l'information rapidement et ne pas payer très cher. Et sur l'enjeu 5G, parce que c'est la 4G aujourd'hui. Sur l'enjeu 5G, est-ce qu'il y a aussi le retard pris au niveau de la digitalisation et du numérique et tout le rattrapage qu'il va falloir faire? C'est dans la perspective aussi de l'intérêt du numérique, justement, c'est que ça permet de faire des sauts de grenouillère tout le temps. Donc, je veux dire, on peut rattraper le retard, on peut s'aligner rapidement. Donc, ça dépend que de nous, ça dépend de la gouvernance de ce secteur.
Mais pour la gouvernance, ça doit être quoi, ce chef de gouvernement, le prochain chef de gouvernement qui devrait piloter ce ça chantier peut être, ça peut être, c'est un, c'est, je dirais, c'est un, ce dispositif que la Commission veut mettre en place, je dirais, piloter directement pour Sa Majesté. Le digital devrait peut-être en faire partie. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut trouver un moyen pour qu'il y ait un pilote dans l'avion et qu'il y ait un suivi régulier et qu'on fasse des évaluations à chaque fois que nous faisons une stratégie, qu'on fasse une évaluation à mi-parcours et puis à la fin. La PBI, parce qu'il y a une maison que vous connaissez très bien, parce que vous l'avez présidée. J'ai eu le plaisir de la présider de 2016 à 2020. Et à la fin, justement, de mon mandat, nous avons présenté des recommandations de paper, aussi bien à notre ministre de tutelle, Moulay Hafid Al-Alami, qu'au chef de gouvernement. Et il y a toutes ces recommandations. Toutes ces recommandations qui ont été, entre autres, qui qu'on revoit aussi par la commission spéciale Nouveau Moulin de Développement. Mais la PBI, je la trouve un peu silencieuse sur le sujet, sur les recommandations de la commission Ben Moussa. Je me dis, voilà, est-ce que, se dire, voilà, il y a des choses. Vous dites, moi, quand j'ai quitté à la présidence, j'avais mis en perspective et en relief et écrit surtout certaines de recommandations qui figurent aujourd'hui. Et je me dis, la PBI post-Salwa Blakziz, ne s'est pas exprimé là-dessus, n'a pas pris le lead en tout cas pour l'instant. Moi, tout ce que je sais en tant que membre du conseil d'administration, c'est qu'ils sont en train de travailler avec l'équipe du ministère pour signer, je pense, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, un nouveau contrat programme avec le gouvernement. Il y a aussi un aspect, parce que vous connaissez très bien, en plus de votre métier aussi, c'est bien parce que vous, c'est à la fois vos responsabilités professionnelles et associatives, on parle de plus en plus de confiance numérique. C'est-à-dire, voilà, effectivement, il faut dématérialiser au niveau de l'État, des pouvoirs publics, de l'administration. Oui, c'est important, la confiance, bien sûr. La confiance aussi, la confiance entreprise dans et citoyens. J'en parle beaucoup. Je vous dis ça pourquoi mais... Parce que, voilà, vous en parlez dans votre livre. Aujourd'hui, avec l'accélération de la transformation numérique, il y a aussi un enjeu de confiance. Il faut accompagner le développement numérique par des campagnes de sensibilisation. Vous savez comment on fait des campagnes de sensibilisation contre les accidents de route? Pourquoi ne pas faire une campagne de sensibilisation à la télévision sur l'utilisation du numérique, sur l'apport du numérique, sur la confiance numérique? Parce que le Maroc, on a quand même fait des avancées. On a voté les lois qu'il faut. Nous avons la Commission nationale de la protection des données personnelles. Donc, nous avons l'environnement juridique qu'il faut. Maintenant, il faut expliquer aux citoyens marocains. Nous avons encore quand même un taux d'analphabétisme qui est important dans notre pays. Et donc, il faut expliquer, il faut donner l'exemple. Donc, qui doit donner l'exemple? C'est l'administration d'abord, en mettant en place tous les services numériques, en informatisant le maximum de services. Les citoyens vont avoir confiance parce qu'ils n'auront plus à se déplacer, ils n'auront plus à donner des fois, malheureusement, encore des barchiches et des choses comme ça. Oui, parce que c'est un levier anticorruption, d'ailleurs. Et donc, voilà, exactement. Donc, à distance, et là, quand ils vont commencer, quand ils vont prendre goût au service numérique, croyez-moi que le citoyen marocain, il aura confiance. En tout cas, espérons que les pouvoirs publics, que l'État utilisera des moyens de communication modernes. Parce que même si, effectivement, on peut être analphabète pour certains... On peut utiliser, bien sûr, on peut utiliser WhatsApp, la télé, communication, les réseaux sociaux, et des etc. Et des adaptés. Alors maintenant, on va passer à votre ouvrage, Le chemin des possibles. Alors, on a déjà parlé une grande partie, parce qu'il y a tout un chapitre sur le numérique. Oui, mais moi, mon expérience. À travers votre expérience, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage. Merci. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, vous n'avez pas besoin de ça d'ailleurs, mais simplement parce qu'il est bourré d'anecdotes. Donc on est sur une autobiographie qui n'est pas du tout romancée, parce que contrairement à ce que on n'est pas dans un roman, on est dans la vie réelle, on n'est pas dans la vie qui est virtuelle ou romancée, préfacée par Ahmed Red Hachemi, j'ai vu. Ah oui, j'ai vraiment un plaisir. Dès que je lui ai présenté le projet, il a vraiment pas hésité du tout. Parce que vous avez aussi une relation très privilégiée avec... En fait, j'ai choisi Ahmed Red Hachemi parce que justement dans ma vie, je veux dire, on a fait des bouts de chemin ensemble. D'abord dans le digital. Quand il était au niveau Microsoft. Et puis après, au niveau du parti. Bulle Maroc, c'était à cette époque-là, non? Vous? Non, j'étais Bulle Maroc, puis Professionnel Système. Ouais. Et puis après, au niveau du parti politique, on s'est retrouvés à l'USFP. Et nous avons eu le plaisir à travailler ensemble avec Sheikh Khalid Hariri et d'autres que je cite aussi dans le livre. Sur le programme économique
de parti de l'USFP. Ça, c'était pour, pour l'élection 2011. Voilà, après, donc, moi, j'étais députée parlementaire. Lui, il est devenu tout de suite ministre. On a eu le plaisir à travailler ensemble. Je me souviens que... Un jour, il m'a même remercié parce qu'on avait travaillé sur la création, sur le projet de loi justement de la protection des données à caractère personnel. Et puis, comme c'est très technique, donc j'ai pris la peine en fait de faire toute une journée d'études avec les différents députés pour leur expliquer à quoi ça sert, etc. Parce que franchement, c'est vraiment trop technique. Et ça a permis en fait de vulgariser la protection des données personnelles, pourquoi la CNDP, pourquoi créer une commission, pourquoi faire une loi et tout ça. Et ça a permis en fait de passer rapidement. Et je me rappelle que si Ahmed, c'est un peu le rôle aussi du parlementaire. Il a la fibre tech comme vous, en fait, c'est ça. La fibre tech. Mais ce que j'ai découvert surtout dans votre ouvrage, Le chemin des possibles, c'est peut-être que le grand public d'ailleurs ne savait pas jusqu'à présent, et ceux qui achèteront ou en tout cas qui liront votre livre l'apprendront, c'est que vous êtes né à Ouazen, oui. Dans une contrée, j'allais dire rurale. Vous avez fait toute votre scolarité avant de partir en France pour vos études supérieures dans une école publique. Et voilà, on apprend ça aussi. Chérif à Ouazania. Ouais, j'en suis fière, vraiment. Voilà, vous étiez orphelin aussi? Oui, j'ai perdu mon papa à l'âge de 2 ans et demi. Malheureusement, je ne me souviens pas du tout de lui. Et donc, peut-être ça, j'explique un peu que peut-être que ça a forgé aussi mon caractère. Parce que le fait de ne pas avoir son papa, vous avez donc forcément les frères, les oncles, le grand-père. Donc, j'ai vécu dans une grande maison. Avec, je dirais, on était à peu près une vingtaine. Et puis, donc, en même temps, je dirais, tout le monde veut être votre père, donc, ce qui n'est pas facile. Donc, on a tendance quand même un petit peu à se sentir étouffé. Et donc, on a soif de liberté et on a soif d'initiative. Et donc, voilà, je me dis, en écrivant ce livre, j'essayais de chercher d'où vient mon trait de caractère, peut-être d'où vient l'entreprendre, parce que mon père était largement professeur d'histoire géo. Ma mère n'a jamais été à l'école. Je n'ai personne dans la famille qui a créé une entreprise, ni oncle, ni tante, ni rien. Donc, j'étais vraiment la première. Et donc, entreprendre, c'est venu un peu comme ça. Beaucoup d'initiatives quand j'étais jeune, j'organisais des choses. Parce que jeunesse aussi un peu difficile aussi. Votre maman s'est remariée. Vous étiez avec un repositionnement au niveau... Avec mon oncle. Oui, donc, mais voilà, c'est pour ça que je... C'est ça qui s'est passé. On est restés tous en famille. Donc, et en fait, j'essaie de montrer aux jeunes filles d'aujourd'hui, plus spécialement, que le Maroc, vis-à-vis des femmes, a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à écrire ce livre. C'est parce que j'ai vécu, en fait, une transformation en 30 années du pays. J'ai eu la chance d'avoir vécu la période d'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI, la nouvelle Moudawana, la nouvelle constitution, le boom des télécoms et du digital. Et en fait, chaque fois, j'avais un rôle, je veux dire, pour accompagner tout ça. Et je me dis, ça n'a rien à voir. Vous savez, nous, dans notre petite ville, on n'avait même pas le droit de parler garçon, à l'extérieur avec un garçon. Vous alliez à l'école à pied, vous, à cette époque-là, en tant qu'écolière. Ah oui, voisin, c'est tout petit, c'est ce donc on allait à pied. Et l'interdiction de parler avec un garçon. J'ai oublié, je parlais d'un devoir en sortant du lycée. Et puis, un de mes oncles m'a vu, et puis il a giflé le garçon. Et moi, j'ai couru, je suis partie, mais je veux dire... on n'imagine peut-être pas ça maintenant, ces jeunes filles d'aujourd'hui qui ont la chance d'être dans un pays mixte, dans un pays ouvert, dans un pays où tout est permis pour les femmes comme pour les hommes, de point de vue législation, de point de vue environnement, etc. Et donc je me dis, cette évolution-là, on peut la décrire à travers en fait un parcours que nous avons et qui peut, on espère, inspirer d'autres. Parce que quand vous dites que les gens vont... peut-être le lire ou l'acheter ou le lire. Ouais. Moi, je préfère qu'il l'achète parce que d'abord, les droits d'auteur, je tiens à le dire, je les verse directement à une association que j'ai trouvée qui œuvre pour l'ascenseur social au Maroc, parce que pour moi, c'est ça, c'est l'ascenseur social. Je veux que les jeunes comprennent qu'il y a un ascenseur social et que tout est possible. Et donc, mais est-ce qu'au travers de votre parcours, c'est parce que moi, une fois de plus, j'ai lu votre ouvrage, bien entendu, votre autobiographie, hein, c'est une véritable autobiographie, et j'ai vu qu'en fait, votre vie a été marquée par beaucoup de choses. Donc vous racontiez cette anecdote aussi, où quand vous étiez écolière, le papa décédé très tôt, donc orpheline très tôt, maman au foyer qui était analphabète, et vous avez fait l'école publique. Oui, mais très intelligente, voilà. Qui était analphabète et très intelligente. Ouais. Elle nous faisait hésiter, ma sœur et moi. Et quand elle voyait qu'on commençait à chercher des mots, elle nous disait « Non, vous n'avez pas encore assez appris. »
Et on ne s'est pas rendu compte, on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, elle faisait ça, mais elle ne savait pas lire. Ce qui n'a, comme on peut être analphabète, ne pas savoir lire et écrire, avoir l'intelligence d'esprit. Et donc, c'est grâce à elle quoi, qu'on a Est-ce que ce qui vous a permis aussi de vous affirmer durant votre enfance, j'ai envie de dire, seule au quartier, c'est le fait d'avoir été bonne à l'école. Parce que je veux dire que c'est ce qui vous a permis aussi peut-être oui, d'eux. Oui, bien sûr. C'est oui. Même s'il y avait quelque part un environnement familial un petit peu autoritaire, une famille assez conservatrice. Travailler, étudier, être parmi les premières, ça a été toujours, je dirais... Ça vous a... Ouais, ça aide. Pour moi, c'est très important. Si vous avez ça été une élève beaucoup plus c'est moyenne... C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs j'ai pu avoir une bourse, j'ai pu décrocher une bourse pour partir en France, c'est parce que j'avais eu mon baccalauréat avec mention, et donc c'est important. C'était dans les années 70, votre départ en France. En fait, il faut travailler, il faut aussi avoir de la chance, j'en parle beaucoup. Ouais. Quand je dis la chance, c'est-à-dire il faut savoir saisir les chances, parce qu'il y a, les chances, il y en a tous les jours. Tous les jours, vous avez des opportunités dans la vie, des opportunités de rencontre, des opportunités, tout le temps. Et il faut savoir le saisir. Et bon, des fois, on se trompe, je le dis aussi dans le livre, je dis, c'est pas grave, on peut faire deux pas en avance, et on se trompe et on fait un pas en arrière, mais au moins, on aura gagné un pas. Et donc, il faut saisir la chance dans la vie. D'ailleurs, j'ai le petit, maintenant, il est polytechnicien, il a 25 ans, mais la famille a accepté quand même de témoigner, ça m'a fait très plaisir. C'était pas évident quand même de négocier pour que les enfants et le mari fassent des petits témoignages dans le livre, mais je trouvais que c'était important parce que pour moi c'est un ensemble. La vie personnelle, elle se complète avec la vie associative, elle se complète avec la vie professionnelle. Et surtout encore beaucoup plus pour les femmes. Quoi. C'est important qu'il y ait cette imbrication et qu'il y a, je ne dis pas qu'il va absolument, tout le monde peut tout réussir, mais chaque femme a son chemin des possibles en elle, elle peut le trouver, elle doit le chercher et le trouver. Mais est-ce que vous considérez avoir été aussi une femme chanceuse? Parce que quand il y a deux anecdotes que j'ai envie de prendre de votre ouvrage. Donc, dans les années 70, effectivement, vous avez rejoint la France et Paris, en particulier et plus particulièrement pour vos études supérieures, on est bien d'accord? Tout à fait, pour faire de l'informatique qui n'était pas encore enseignée au Maroc. Hein. Au Maroc, dans les années 70. Oui, tout à fait, exactement, voilà. 79. 79, voilà, donc complément pour vos études au travers de l'informatique, donc l'apprentissage de tout ce qui est informatique en France. Dès que vous avez commencé à travailler, à gagner un peu de sous, vous achetez une voiture? Ah oui, j'étais très contente, c'était mon premier bien. Deux chevaux à l'époque. Oui, mon premier bien. Alors moi, ce qui m'intéresse... Qui m'appartient. Voilà, et vous disiez, mais je n'avais pas suffisamment à l'époque, vous étiez étudiante, donc de sous pour financer les réparations, parce que des fois, elles tombaient en panne. Et en fait, vous avez créé une connectivité ou une connexion à cette époque-là. Avec un garagiste, oui, tout à fait. Qui lui acceptait de réparer. C'était aussi une opportunité, c'est-à-dire que chaque fois, j'essayais de trouver des manières win-win. Le garagiste, il va me réparer la voiture gratuitement. Et puis, à la fin de ma scolarité, avant de rentrer au Maroc, parce que j'étais partie pour revenir au Maroc, donc pour moi, c'était une évidence. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je reste en France? Et donc, en revenant au Maroc, j'allais lui céder la voiture. Et j'ai tenu parole. On ne se connaissait pas du tout. C'est encore une fois question de confiance, question de feeling et question de... Il faut oser. Voilà, il faut oser. Ça marchait. Donc ça, Je risquais de toute façon à proposer ce deal? Ouais, c'est un deal qui a fonctionné. Je risquais rien du tout. J'ai pas beaucoup de sous. Je suis étudiant. J'ai une petite voiture, une deux chevaux. Et c'est du win-win. Ben voilà, une connexion qui se passe et le garagiste accepte de réparer votre voiture lorsqu'elle tombe en panne, cette deux chevaux. Et avec le deal, de dire quand je rentre au Maroc, je vous la laisse. C'était tellement un vieux modèle que je veux dire, les essuie-glaces. Il marchait avec la pluie en fonction de la pluie, en fonction de la vitesse. C'est-à-dire, si vous êtes arrêté, les essuie-glaces, ils ne marchaient pas. Je suis sûr qu'elle doit valoir une fortune maintenant. Ça doit être une voiture de collection. Une voiture de collection, certainement d'ailleurs. Vous allez même regretter de l'avoir laissée. Non, pas du tout. Je ne regrette jamais d'ailleurs. Est-ce que cette anecdote aussi est modélisable avec ce que j'ai vu avec votre rendez-vous en 1999 avec le patron de GFI France? À l'époque, donc, vous aviez une entreprise professionnelle système, d'accord? Tout à fait. Vous disiez, voilà, peut-être être reprise, est-ce qu'elle peut être rachetée? Je ne l'ai jamais rencontrée pour vendre l'entreprise. Ouais. C'était uniquement pour savoir s'il y avait d'autres solutions que je pouvais importer, etc. Et il se trouve qu'en fait, que cette entreprise GFI était sur le point d'investir sur le marché africain. S'installer, mais d'investir. D'investir en rachetant une entreprise. Donc, ils étaient déjà en négociation avec une entreprise qui a existé, qui est Capinfo. Et je parle un peu de l'historique. Oui, j'ai vu ça. Et puis, le président, quand il m'a rencontré, en fait, il s'est dit, on met en stand-by cette acquisition, cette opération, et on va voir ce qu'il il appelait à l'époque l'entreprise « cette petite dame ». Comme ça. Il a dit, allez-y voir cette entreprise. Et effectivement, quand ils sont venus au Maroc et qu'on a discuté, etc., donc c'est comme ça que c'est parti. Mais j'avais pas dû... Ça, encore une fois, c'était une opportunité, mais ça m'est même pas venu à l'idée. Vous savez, quand vous avez une entreprise, vous vous dites, c'est comme mon bébé, c'est difficile, je vais pas la vendre.
Mais en fait, en réalité, quand vous avez un bébé, quand il grandit, que vous le mariez, il reste aussi votre enfant. Mmh. Et donc, le fait de l'avoir vendu, la preuve, je me suis engagée pendant 4 ans à rester pendant 4 ans et je suis restée plus de 30 ans. Ben c'est ça qui est fou. Donc, et puis, vous avez pris la tête de GFI Maroc. Oui, tout à fait. Et puis après l'Afrique, un investisseur, quand il investit dans une entreprise, en fait, il investit dans les personnes. Il investit sur le management. Et donc, si tout se passe bien, il n'y a aucune raison que ça ne se sépare. Et donc, voilà. Donc, c'était encore un risque pris, mais qui s'est avéré... Donc, du garagiste au patron de GFI France à l'époque. Il n'y a pas que l'histoire de deux chevaux. Après, c'est la FEM en 2000. Donc, oui, la femme. Ouais. La femme, c'était un vrai marqueur pour vous. J'en suis fière, vraiment. Ouais. Je pense que c'est. D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur la femme, beaucoup. Et il y a encore des choses à faire. Oui, la femme, c'était tout simplement pour. C'était suite à un constat. Parce que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage. J'en parle beaucoup, oui. La femme, j'ai quand même. Je l'ai présidée pendant 6 ans. Mm-hmm. Et puis par la suite, je suis restée actif en tant que membre du conseil des sages jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas en fait la femme en tant qu'association, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est la participation des femmes dans l'économie. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, on aura un nouveau monde après le Covid. Ben, ce nouveau monde qui va se transformer, il va reposer sur 2 piliers. C'est le digital et l'entrepreneuriat féminin, la participation des femmes dans l'activité économique dans nos pays. Pour moi, ce sont les 2 défis. Et j'ai eu la chance, justement, à travers mon expérience, d'avoir été dans les 2. Et je dis que malgré tout ce que nous avons fait à la FEM, et là je salue la présidente actuelle qui a su... Laïla Doukali. Hein. Laïla Doukali qui a su justement redorer le blason de la FEM et qui a réallumé la flamme, comme elle dit, après un passage un petit peu avide de quelques mois. Elle fait un excellent travail, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs la commission spéciale, elle a relevé. Dans mon livre, moi je me dis, une stratégie nationale avec un objectif de 30% d'activité à horizon 2030. La commission, elle a dit 40% à horizon de 2035. Donc, on n'est pas très loin. Et là aussi, dans le livre, j'explique qu'il y a, en fait, il y a des choses à faire. On peut faire beaucoup de choses pour arriver facilement à ces 30%. Parce qu'avec la Moudawana, avec le code du travail, le nouveau code du travail qui avait justement donc qui avait donné les droits aux femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun frein législatif. Maintenant, c'est quoi? C'est l'environnement autour de nous, donc c'est le travail des communes, pas du gouvernement, et j'assiste sur le livre là-dessus, c'est le travail des communes, et c'est le travail des femmes elles-mêmes, qui doivent justement pousser des portes et rentrer. Est-ce qu'on a progressé là-dessus? Parce que c'est vrai que si je prends votre exemple, avant de devenir président de la PEBI, donc en 2016, c'est bien ça? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Vous étiez déjà présenté précédemment pour la PEBI, vous disiez qu'en fait, il y avait des hommes en fait, qui étaient récalcitrants. Oui, j'ai vu ça dans votre ouvrage. Quelques années, oui, tout voilà. À fait. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de le dire à la télé. C'est vrai que, je veux dire, ils n'étaient pas encore... Il y a 10-15 ans, à la PEBI, on ne voulait pas de femmes. Ils n'étaient pas prêts à voter pour une femme. Voilà. Et vous l'avez vécu personnellement? Je l'ai vécu personnellement. J'avais préparé un bon programme, etc. Et puis, donc, malheureusement, j'ai perdu de 5 voix. C'est parce que j'étais une femme et ça a été reconnu. Hein. Et j'ai accepté. Ce qui est bien, c'est que j'ai accepté de rester dans ce bureau-là en tant que vice-présidente générale, contrairement à ce qui se passe souvent, malheureusement. On s'en va et on crée une association. C'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la FEM, malheureusement. Ouais. Et donc j'ai accepté et j'ai continué à militer jusqu'à leur montrer que les femmes pouvaient diriger ce secteur du digital. Et j'ai été la première femme à présider ce secteur en 2016. Les collègues étaient tellement contents qu'ils m'ont réélue en 2018. Donc j'ai fait 2 mandats. Je suis parmi les rares présidents d'APEBI. Comme quoi, on peut avoir été mis de côté parce qu'on est une femme et en même temps revenir, ne rien lâcher. Il faut se relever. Ouais. Il faut se relever. Les échecs, ils existent. Non, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie, des échecs. C'est normal, échec, parce comme que vous tout avez autre humain. Beaucoup d'expérience, et je voulais revenir sur une autre expérience aussi. Chaque échec, c'est une expérience nouvelle. Voilà, et des fois, il faut en tirer une expérience nouvelle. Une nouvelle compétence acquise, c'est et ce qu'on dit parfois d'ailleurs. Et je crois toujours, quand on dit « Wallah, Sakharo, Khairan, Wawashi, je le dis toujours. Votre expérience politique, parce qu'après avoir vos 2 mandats consécutifs à la tête de la FEM, en tant que cofondatrice, vous avez basculé en 2007 dans la sphère politique, par un engagement politique. Oui. Vous êtes devenue parlementaire députée à l'USFP. Oui, mais grosso modo, tout le monde le sait. Sauf que, moi, ce que j'ai appris dans votre ouvrage, c'est que vous n'avez pas atterri à l'ESFP par hasard. Oui, je n'ai pas été parachutée. Parce qu'il fallait des femmes, donc voilà. Non. Vous avez une histoire très personnelle avec le parti. Et, d'ailleurs, si je peut-être, voulais... Peut-être un peu douloureuse aussi, je ne sais pas. D'ailleurs, si je voulais atterrir dans un parti politique, je l'aurais fait en 2002.
J'avais été sollicitée par d'autres partis politiques en 2002, dès que le Maroc a instauré la liste nationale. Et 2002, j'ai refusé pour deux raisons. Premièrement, parce que je présidais la FEM qu'on venait de créer 2 ans avant. Et dans les statuts de la FEM, c'est vraiment apolitique. Et deuxièmement, je me disais, si je dois militer, je ne peux militer que dans le parti de mon père, socialiste, de ma famille, etc. Moi, j'ai connu l'USCP, j'étais toute petite à Oisel. J'étais pas là, malheureusement, je veux dire, au niveau de l'indépendance, et quand mon père a milité l'AIHMO, il s'est même fait emprisonner. Et donc, tout ça, c'est mes frères, mes grands frères qui me le racontent. Mais je sais que toute ma famille, et jusqu'à maintenant, j'ai encore le cousin qui est le président du groupe parlementaire de l'USFP. Et donc, pour moi, c'était naturel. Si je devais m'engager, et je me suis engagée dans la politique, en fait, c'était pour continuer mon combat de la FEM après 6 ans. De la FEM. C'était faire avancer la cause. Les associations, c'est indispensable. Mais l'action, elle est encore meilleure parce qu'on peut, dans un parti politique, je suis heureuse parce qu'en 4 ans, je n'ai même pas fait 5 ans, parce qu'il y avait justement le printemps arabe et le mandat a été écourté. Mais en 4 ans, j'ai pu quand même proposer, j'ai pu quand même faire 2 propositions de loi et qui concernent justement les femmes et l'économie. Et dans une est passée et l'autre, je l'ai laissée en débat avant de partir. Et c'est des lois qui touchent directement. Donc une, c'était pour la couverture sociale des enfants, et donc qui devaient tout le temps être déclarés avec son père, avec leur père. Et donc j'ai proposé à ce qu'ils soient déclarés avec la meilleure couverture sociale, peu importe le père et la mère. Donc je reste dans le même combat. Et l'autre, c'était par rapport aux femmes qui divorcent et qui malheureusement perdent leur couverture sociale après une année. Enfin, pas qui divorcent, mais qui perdent leur mari, pardon, qui sont veuves. Suite à un décès. Ouais. Voilà, suite à un décès, dans la loi, ils ne gardaient en fait leur couverture que pendant une année. Et moi, j'ai fait une proposition de loi en disant qu'elle doit la garder tant qu'elle n'a pas une autre couverture. Donc c'est en fait, c'est des combats qui continuent. Donc mon combat de femmes, d'égalité et des femmes dans l'économie, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de livres très intéressants en Maroc qui sont écrits sur le droit des femmes, sur la violence contre les femmes, sur la moudawana et tout. Mais moi, je voulais écrire quelque chose sur le combat économique des femmes, parce que je suis persuadée que c'est avec l'indépendance économique qu'on peut justement bénéficier de tous ces droits juridiques et ces droits sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes, malheureusement, malgré leur violence, etc., ils restent avec leur mari, c'est parce qu'ils ne sont pas indépendants économiquement. Donc moi, je me bats pour ça, je me battrai jusqu'au dernier souffle de ma vie, c'est qu'il faut que les femmes, justement, puissent être indépendants économiquement, quand ils le souhaitent, bien sûr. En tout cas, il y a aussi une chose, vu que vous souhaitiez, je crois savoir en tout cas la lecture de votre ouvrage, continuer l'aventure en politique, sauf qu'il y a le patron de l'USFP à cette époque-là, on peut dire son nom, échec. Vous l'avez mal vécu, ça? Vous l'avez vécu comme une injustice? Oui, vraiment, j'ai mal vécu parce que je pense avoir bien travaillé pendant 4 ans. D'ailleurs, je ne suis pas la seule, je le cite dans le livre, dans mon groupe, il y a moi et Aïcha Gla, que je salue également. Et en fait, la loi permettait de refaire un mandat sur la liste nationale, puisqu'on n'avait pas le temps justement de se présenter sur une liste locale après 4 ans. Et j'étais persuadée, j'ai fait un bilan par écrit, et apparemment c'est la première fois dans notre parti qu'un député, quand il termine, il fait un bilan, un livre comme ça, que j'ai distribué à tous les membres du bureau politique. Et donc il y avait tout mon travail pendant 4 années, donc les questions orales, écrites, les interventions, etc., etc. Très peu l'ont lu, malheureusement, très peu. Et on avait des promesses toutes les deux, et on s'est retrouvés, en bas de la liste nationale. Donc on était sûr de ne pas passer. Et encore une fois, j'ai été choquée, déçue, mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai jamais été à la presse pour dire que le parti n'est pas bien ou quelque chose. Je veux dire, je ne suis pas de ce style-là. J'ai continué la promotion de l'USFP, la promotion du programme économique. J'ai intervenu auprès de la CGEM pour vendre le programme économique de l'USFP, sachant que je savais que je n'allais pas être députée. Et j'ai continué mon combat jusqu'à la fin, jusqu'aux élections. Loyal vis-à-vis de la famille politique de l'USFP. Et c'est là, malheureusement, en 2007, c'est là que le parti a chuté à la 5e place. Voilà. En tout cas, vous n'avez pas pu, malheureusement, poursuivre pour un deuxième mandat après 2011. Donc, et je cite aussi qu'en 2011, quand Séverine Kiran a été
Et lui, il a proposé à l'USFP de faire partie de son gouvernement. Oui. Et les quelques personnes, malheureusement, du parti n'ont pas accepté sous prétexte qu'on n'avait pas la même idéologie, ce qui s'est avéré malheureusement faux, puisque 5 ans après... Ils sont malheureusement venus par la fenêtre. Pas question d'idéologie, c'est plus question de personne, et c'est dommage. Mmh. C'est effectivement, c'est une anecdote qui a été relevée. Mais donc, suite à ça, 2012, événement personnel compliqué. Oui, tout à pour fait. Pour vous, ouais. Sur le Belkacis. C'était compliqué. Et là aussi, il fallait se battre. La chronologie par rapport aussi à votre ouvrage, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dire à ce moment-là, quand j'ai attrapé... Vous avez été atteint d'un cancer. J'ai été atteint d'un cancer. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai eu l'idée d'écrire une autobiographie. Déjà à 2012, oui. Bah, parce que vous savez, quand vous avez, vous avez le cancer, on peut l'appeler le cancer, qui se soigne très bien maintenant. Mmh. Et j'appelle à toutes les femmes, d'ailleurs, d'anticiper et de faire des visites régulièrement, parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient ni comment ça vient. Mais en fait, à ce moment-là, vous ne savez pas si vous allez survivre ou pas. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, avec tout ce que j'ai fait, avec toute mon expérience, etc., j'ai envie de laisser une trace écrite pour la génération, pour les jeunes. Et donc, j'avais commencé à écrire. Et puis après, donc, comme par hasard, j'avais tout perdu sur l'ordinateur. Et puis après, je suis repartie sur autre chose en 2012, etc. Et jusqu'au confinement, où en fait, le confinement vous donne en fait du temps pour réfléchir, pour se dire qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi. Et j'ai ressorti tous les archives, que ce soit journaux, les photos, etc., de 30 ans. Et puis je me suis dit, bah, c'est le moment. C'est le moment jamais. Et j'ai trouvé justement Dora, une experte en marketing qui s'est beaucoup intéressée à ce projet-là et qui a bien voulu justement faire toutes les interviews qui sont dans le livre. Donc, je tenais à voir le témoignage de la famille, le témoignage d'un collègue au niveau groupe, le témoignage de mon président qui a accepté aussi de témoigner, le président du groupe Inetom. Je trouvais ça très, très sympathique. Le témoignage d'un cadre qui nous a toujours accompagnés au Parlement. Et donc, je voulais un peu des témoignages assez diversifiés, des témoignages de jeunes filles que j'avais accompagnées à la FEM et qui ont créé des entreprises. Et les entreprises se sont développées et maintenant, ils exportent. Ça, c'est la fierté. Ça, c'est la fierté. De pouvoir justement tenir la main de ces femmes-là et de voir le résultat, c'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire, entre guillemets, est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ce livre? C'est-à-dire de vous dévoiler au grand jour, de votre petite enfance à Oisanne, à aujourd'hui présidente du groupe Afrique Inetom, voilà, c'est-à-dire avec tout ce que vous avez c'était vécu, de bon, de moins bon. Ouais. C'était pas évident. J'ai passé même des nuits blanches parce qu'il y a deux... On dit souvent, il faut vivant caché, vivant heureux, etc. Mais si on fait ça, on ne peut pas laisser des traces écrites. Les paroles, elles s'en vont. Et en fait, ce qui m'a poussé le plus, c'est pendant des années, j'ai fait des centaines de conférences sur l'entrepreneuriat féminin à travers le monde. Et cette exigence et cette recommandation de rôle modèle pour les jeunes, elle revient toujours. Mmh. Et au Maroc, on a des superbes femmes qui ont fait des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas encore eu le courage de l'écrire. Et j'espère, à travers ça, et je peux vous assurer que depuis 2 semaines seulement que le livre est dans les librairies, j'ai beaucoup de femmes qui me disent, nous aussi, on va s'y mettre. Et que c'est une bonne chose. Et donc, il faut que nos jeunes Marocains sachent qu'il y a des modèles qui peuvent inspirer, qu'il y a de la réussite, que le Maroc, le Maroc, c'est un pays du chemin des possibles, où tout est possible. Et vraiment, je le dis vraiment du fond de cœur. Tout est possible. Y compris dans cette nouvelle dynamique dans laquelle notre pays va rentrer, c'est-à-dire ce nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement qui a abordé tous les sujets et qui, bien sûr, doivent être discutés. Les Marocains doivent justement se l'approprier, ce nouveau modèle de développement économique où tout est dedans. Mais il faut, à côté de ça, maintenant, il faut avoir des instances de gouvernance. Il faut je l'avais dit dans le livre, j'ai dit, j'espère que ce nouveau modèle ne va pas avoir le même avenir que le modèle du cinquantenaire.
aussi qui était un excellent, justement, avec plein de recommandations, mais c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est toutes les institutions et c'est aussi les partis politiques. Est-ce que vous êtes confiant tout ça, l'auberciste, par rapport à ceux qui vous écoutent? Parce qu'il y a un des messages qui se dégage et qui transpire de votre ouvrage, c'est vous incitez, vous dites en fait concrètement aux jeunes, engagez-vous. Il faut qu'ils s'engagent. Engagez-vous et engagez-vous en politique. Politique. S'ils ne sont pas contents des gens qui sont là dans la politique, ils doivent s'engager pour justement les virer et les remplacer. Mais c'est très important. C'est pas facile de virer des dinosaures, non? Oui, sais, mais si on s'y met à plusieurs. Vous savez, comme je disais, seul, on est invisible. Mais ensemble, nous sommes invincibles. Et les jeunes doivent se mettre tous. Regardez ce qui s'est passé en France avec le président Macron qui est sorti de nulle part. Ben, c'est possible chez nous aussi, tout est possible. Tout est possible. Pourquoi pas? Ça en fait partie aussi. En tout cas, vous dites-vous, au travers de votre expérience, pas de 20 ans, mais de 30 ans, de 3 décennies. Ouais, 3 voilà. décennies, ouais. Donc c'est bourré d'anecdotes, votre ouvrage, voilà. Quand on met un genou au sol, c'est on se relève. Pour que ce soit facile à lire. On peut se relever, il faut travailler. Exactement. Voilà, on peut être un pur il produit. Il faut oser, il faut être pionnier. On peut être un pur produit de l'école publique. Dernièrement, il y a des personnes qui ont appris le livre, qui ont appris l'apparition du livre, qui m'ont appelé pour me dire. Est-ce que vous allez vous présenter aux élections? En pensant que j'ai dit non, pas du tout. Je ne fais jamais les choses de fois. Ah oui, c'est vrai qu'en termes de timing, on est à 2 mois des élections. C'est vraiment une coïncidence. C'est vraiment une coïncidence. Je ne fais jamais 2 fois la même chose. J'ai eu une belle expérience au Parlement. J'en suis ravie. Je l'ai raconté dans mon livre. Non. Donc, je suis au service du pays pour autre chose, mais pas pour revenir au Parlement. Et donc, c'est vraiment la sortie de ce livre. Elle coïncide avec les élections. Et c'est une manière de dire également aux jeunes, engagez-vous au moins, allez voter, au moins, vraiment, c'est la moindre des choses, c'est le moindre geste, d'aller voter. Mais vous ne limitez pas l'engagement que dans l'engagement politique, c'est l'engagement y compris associatif. Entrepreneuriat, les start-up, moi je suis ravie parce que j'ai mes deux fils qui ont créé une start-up. Et je suis vraiment ravie, il y a de quoi faire au Maroc, il y a de quoi faire. Merci en tout cas infiniment pour ce témoignage, merci infiniment pour en tout cas pour cet ouvrage, donc Le Chemin des Possibles aux éditions La Croisée des Chemins. C'est bourré d'anecdotes pour celles et ceux qui veulent. Pour celles et ceux qui veulent en savoir beaucoup plus, parce que moi je vous connais depuis longtemps, je vous suis à distance depuis très 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 longtemps, mais j'ai appris beaucoup de choses en tout cas à travers cet ouvrage, au niveau personnel, au niveau anecdote, et je ne savais pas par exemple que vous étiez un pur produit de l'école publique. Mais ce qui est important, c'est vraiment pas mon histoire, je vous assure. Ouais, mais... c'est les histoires que j'aimerais bien que les jeunes écrivent en lisant ce livre. Vous savez, ça, le parti, c'est quand on effectivement un modèle inspirant, c'est un modèle aussi où on peut s'inspirer au travers d'anecdotes et de vécu. Voilà, vous étiez Ouazen, ça peut être inspirant. L'école publique, ça peut être inspirant. Acheter 2 chevaux, une petite voiture, dès qu'on a gagné ses premiers sous, c'est aussi inspirant. On n'est pas forcément obligé de s'endetter pour acheter une grosse voiture qui n'est pas la mesure de ses moyens. Voilà, donc tout ça me paraît extrêmement inspirant, y compris votre expérience aussi politique. Vous n'avez rien lâché aussi à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait peut-être que vous êtes devenu ce que vous êtes. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci beaucoup. Salwa Farkhid, je rappelle, présidente du groupe Inetom Afrique. C'est bien ça, spécialisée dans les services numériques. Alors, je rappelle très rapidement aussi, ex-présidente de la FEM, cofondatrice, ex-présidente également de la PBI, parce qu'on n'avait pas voulu de vous au début des années 2000, mais vous êtes revenu aussi par la grande porte. 20 ans après, en devenant présidente en 2007. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Et donc, je le rappelle, auteur de cet ouvrage donc autobiographique, Le Chemin des Possibles, parce que Saul Belkacis d'aujourd'hui considère encore plus peut-être aujourd'hui que tout est possible, y compris chez nous au Maroc. Merci infiniment à vous et à très bientôt.